Psaume 118, strophe 15. Je veux garder l'ordre de Dieu.
Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, tu renverses tous ceux qui sautent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Si j'aime ton témoignage, de ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Psaume 124. Le Seigneur m'a aimé et s'est livré pour moi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux. Psaume 125. Chantons.
Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs, tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il me dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Grande gloire, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Raniero Cantalamessa, Dieu a tant aimé le monde. Jésus nous a aimés d'un cœur à la fois divin et humain, et de manière parfaitement humaine, même si ce fut à la mesure divine. C'est un amour plein de force et de délicatesse, très tendre et persévérant, et de cet amour-là qu'il aime les disciples, qu'il aime les enfants, comme il aime les pauvres et les malades, comme il aime les pécheurs. Par son amour, il fait grandir. Il redonne dignité et espérance. Tous ceux qui s'approchent de Jésus avec un cœur simple se retrouvent transformés par son amour. Son amour se fait amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. Mais il ne s'en tient pas là. Il atteint un degré d'identification avec l'homme face auquel toutes les analogies humaines sont impuissantes, même celles de la mère, du père ou de l'époux. Vous en moi, dit-il, et moi en vous. Finalement, voici la preuve suprême de cet amour. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême limite de l'amour. Deux choses révèlent celui qui aime véritablement et le font triompher. La première consiste à faire du bien à l'aimer. La seconde, de loin supérieure, consiste à souffrir pour lui. Dans ce but, et pour nous donner la preuve de son grand amour, Dieu invente son propre anéantissement, il le réalise et le fait de manière à être en mesure de souffrir des choses terribles. Ainsi, par tout ce qu'il subit,
Dieu convainc les hommes de son extraordinaire amour envers eux et les attire de nouveau à lui, eux qui fuyaient le bon Seigneur parce qu'ils se croyaient haïs de lui. Jésus nous répète ce qu'il déclara un jour à une sainte qui méditait sur la Passion. « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Entre tes mains, Seigneur et mon Dieu, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur et mon Dieu, je remets mon esprit. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur, mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. À l'heure où nous sommes entrés depuis quelques jours dans la Semaine Sainte, la liturgie nous fait entendre les chants du serviteur d'Isaïe. Le troisième chant du serviteur pour le dimanche des rameaux, premier chant du serviteur pour le lundi saint, deuxième chant du serviteur pour le mardi saint, troisième chant du serviteur de nouveau pour le mercredi saint aujourd'hui. Ce sont des textes, en effet, propres à nous préparer à la célébration du mystère pascal. Le poème que nous entendons aujourd'hui commence par
Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Là s'exprime le mystère de la solidarité du Christ avec le genre humain, par l'incarnation. Jésus parle le langage des disciples parce qu'il est l'envoyé du Père et qu'il fait en tout la volonté du Père. Langage des disciples par la parole, mais aussi par toutes ses actions. Et cet exemple du Christ est propre à nous soutenir quand nous sommes épuisés, quand nous sommes à bout de force et sans recours. Car, comme le disait l'abbé Huvelin à Charles de Foucault, Jésus-Christ a tellement pris la dernière place que nul ne pourra la lui ravir. Ce passage d'Isaïe que nous entendons en ce jour a déjà été lu pour le dimanche des Rameaux, comme pour encadrer cette fête où Jésus est acclamé par deux textes sur la Passion, celui-ci et l'Évangile de la Passion. La solidarité de Jésus envers nous est réelle. Dieu n'est pas un Dieu indifférent habitant dans les hauteurs et qui ne se soucierait pas de nous. Il s'est fait proche, tellement proche qu'il rejoint les plus délaissés, les plus malheureux. Chaque matin, le Seigneur Dieu éveille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Mystère de la circulation de l'amour entre le Père et le Fils. Jésus dit en Saint Jean, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut faire de lui-même rien qu'il ne voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Donc ce que le Père veut exprimer est exprimé par le Fils. Le Fils est ainsi l'expression parfaite du Père, qui se dit en lui parfaitement. Il est la parole de Dieu. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. C'est donc, en ces jours qui précèdent la célébration de la Passion de Jésus, l'immense réalité de la miséricorde du Père que nous nous préparons à célébrer. Un Père qui compatit, un Père qui souffre, un Père qui fait tout pour amener à l'obéissance ceux que la désobéissance avait éloignés de lui. La suite du troisième chant du serviteur est une description saisissante d'outrage qui rappelle ceux de la Passion de Jésus et en réalité l'annonce. Le rapprochement que l'on peut faire de textes de l'Ancien Testament comme celui-ci avec des textes du Nouveau Testament semblait à Pascal la principale preuve de la vérité du christianisme. Et la fin du texte dit « Voilà le Seigneur, mon Dieu, il prend ma défense, qui donc me condamnera ?» Fin énigmatique, mais fin prophétique aussi, pour celui qui croit en la résurrection de Jésus. Dans ce texte, comme dans de nombreux psaumes, le juste persécuté n'est pas abandonné par Dieu, et sa situation désespérée comporte une ouverture sur l'espérance. C'est donc tout le mystère pascal qui est contenu dans ce texte, mystère dont la célébration va se développer pendant tout le Triduum qui s'approche. Préparons-nous donc à vivre avec Jésus, le serviteur souffrant, sa Pâque de la croix à la gloire, et offrons notre cœur à celui qui est le disciple parfait du Père. Thank you.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les victimes des attentats de Bruxelles, Seigneur, nous te prions. Donne-leur consolation et espérance. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour nos évêques, Seigneur, nous te prions. Donne-leur la force d'annoncer le Christ et d'enseigner ton peuple. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les hommes habités par la violence ou le mal, Seigneur, nous te prions. Donne-leur ton amour, comble-les de ta miséricorde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. J'annonce à Marie qu'elle serait là.
Ah.